parti. Dans la foulée de l'épisode précédent, on venait de mindfuck le garde péage. C'est le cas de lire. C'est ça. Et bah maintenant, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va au croissant de lune? Bah oui, un petit croissant. Allez, 14 ans de suite. Let's go. On va le retrouver à l'auberge de la dernière lueur. Let's go. J'ai trouvé un panneau qui dit Baldur's Gate, on est sur la bonne route. Ouais, c'est... Avancez pas trop vite les gars, vous êtes que deux devant et nous on est deux derrière. Mais j'ai trouvé un cercle symbole, tu peux te TP chez moi. I can feel it. Ah, effectivement, ça fait le TP. Comme ça tu peux te TP à tour de haute lune. Ah ouais. Je vais le dire 4 fois. Hein. Attends, vas-y, je vais me TP comme ça. Je crois que vous êtes pas au courant, mais. Ouais, voilà. I can feel it. Its power is strong here. Oh, j'ai deux. Je vais aller avec 4. J'ai l'impression qu'on fait des groupes de 2. Oh, j'ai trouvé la cave à vin. Let's go. Recule. Il y a un gars qui fait l'aller-retour là. Un troubadour corrompu. Bah ouais, pas de bibiqueux. Je sais pas. Allô. Indésirable. Tu veux dire indésirable. Indésirable. Exactement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire indésirable? Les anciens clients suivants ne sont plus les bienvenus ici. Il ne faut pas les centrer, même s'ils supplient. Surtout s'ils supplient. Aujourd'hui, j'ai envie de crocheter ce truc, donc on peut le crocheter, c'est cool. Adam Smith, comportement obscène, surtout s'il a accès à des cornichons. Ok. Oh putain. Putain, je viens de l'avoir, le nom de la bonne femme du péage. Oh, Dame. La dame du péage qu'on a défoncé, son nom. C'est pas Gringot. Ah, pour Gringot. Pour Gringot, ouais. Et il est gentil ou pas, lui, là? On peut lui parler? Je vais lui parler. Oh, il chante. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok, hein. Il chante une chanson à boire, il est mignon. Mais c'est chouette. Oh. Allez, en avant. Il y a quoi plus loin? Ah, il y a encore d'autres. Il y a l'autre début, mais joyeux, on va aller les voir. Hein. Grand livre des jeux à boire. Ah, parfait, c'est exactement ce qui nous manquait. Oh, mais il a l'air gigantesque, le gars là-bas, là. Il a l'air très gros. Est-ce qu'il porte ses sous-vêtements sur la tête? Trisobaltorm là. Hein? Il a des reflux gastriques. Oh, il est dégueulasse. Ah, c'est pas fini, tu vas voir. Il va nous péter dessus là, je pense. Que... Oh, alors, il est attends, mignon. Parce que pour l'instant, tous les sormes qu'on a vus, c'était des gens à buter. Donc ça va se finir qu'il va. Est-ce qu'on pourrait également le mindfuck lui? Tu lui fais croire qu'il brasse de l'eau depuis des siècles. Tu t'insultes vous sa bière. Que je retourne lui parler? Moi, je peux moi, non, moi je vais lui parler si on peut. Non, ah, c'est bon, laisse la tromperie à ceux qui ont du charisme. Ah! Ça ne peut que bien se passer! Là, j'ai la conversation avec lui. Bonsoir, je. Moi je vais essayer de me positionner. T'as de beaux yeux, tu sais. Attends, bonne ça. Ça a l'air dégoûtant. C'est dégoûtant. Une espèce de petit queue de cochon. Ouais. Ouais. C'est dégoûtant. Let's go. You can see how the creature's skin barely holds it together. The bulge of its belly is on the cusp of bursting wide open. C'est quand même une aiguille.
go on, drink. Make it drunk. Be drunk. You and I both. To our good health. Escamotage. Ah, quand même, 18 ans. Ouais, quand même. Ah bah. Heureusement que j'ai la maîtrise. C'est le mec qui le lance par-dessus son épaule. Une rouette. Et il a de l'expérience quand même, ça faut lui donner. Hein. Parce que faire ça sans renverser une goutte. Et il est doué là. Il est doué, petit, mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le second. Reprends attention. J'en ai beaucoup à raconter là. Ah, c'est dommage, hein, il y aurait eu 4 et 2, c'était bon. Ah ouais. On fout. Putain, les dés sont pas avec moi ce soir, j'en ai marre. Yes! Attends, j'ai quand même plus 8 de base, quoi, s'il te plaît. Escamotage, on va le faire exploser. Allez. C'est bon. Diablotin et les... Oh oui. L'inquisiteur. J'aime pas entre les trois, l'inquisiteur. L'inquisiteur, elle est bien, ça fait un petit rappel de notre meurtre de robot. Allez, voilà, ça c'est bon. Naturellement. Que pensant, je fais aucune réussite naturelle. Je bois tout, mais spécifiquement réussite. Ask, question, make your query, and drink once more. Oh. Allez, montre. Allez. Non. Ah. Vas-y, ça passe. Oui, c'est bon. Si j'arrive à le faire exploser, ça peut être très drôle. I know you.
pas entendu. Comment? Ah là, là c'est mieux. Ah pardon. Et il va tellement te vomir dessus. Ça va déborder là. Oh. Allez, allez. Deuxième mini boss qu'on a eu sans combattre. Perception rapide. Ah, c'est tout. Perception ici. J'arrive. Il y avait quoi dedans? Il y avait une clé, il y avait des trous pour Arda et après il y avait de la boisson. Et ça, registre de Madeleine. Arda, c'est un. Journal mis à jour. Punir les malfaisants. Je t'ai envoyé un bouquin, Arda. Ok, je vais lire ça tout de suite. Je sais même pas où c'est punir un malfaisant. On avait parlé à un gars. Le brasseur nous a révélé que sa cage à elle se trouvait dans le mausolée de la famille Thorm. Impossible de savoir qui est cette femme et à qui il faisait référence. Mais si Kéterik l'a fait mettre en cage, c'est sans doute pour une bonne raison. Eh, hey, j'ai ouvert une porte ici. Qui mène. Ouais. Trouver la règle de Kéterik Thorm, mais la fameuse caverne où il faut pas aller. Il est parti, lui. Il est parti quelque part. Il y a plein de coffres. Si je vais sur péter la gueule, tu vas voir. Perception fail, attention. Ça risque d'être un coffre piégé. C'est un coffre piégé. C'est un coffre piégé, définitivement. Attends, vas-y, je sais pas si je vais le repérer. Hein. Ah si! Bon, ça, c'est pour Arda. Ça, c'est pour moi. Et c'est quoi ça? Un Great Club. Ah non, Great Club. Ah, encore. Ah, bah, ça, ça se voit. Oui, non, non, c'est un peu pour toi. Something over there. Je creuse. Qu'est-ce qu'il est en train de lire, les research notes? They describe a powerful venom extracted from a rare purple worm. Ce passage est cool. He procured several parts of a gullet, but rinsed one in error. The poison he brewed was noxious, but not fatal. He devoted months after exhaustive experimentation. He was able to make a near deadly extract from the glands. But to complete his poison, Thizzabald required one last ingredient. The petals of a corpse rose. Là-bas. The book's index reveals corpse roses may grow near tombs. Ah mais je l'ai même pas essayé encore. J'avais même pas vu le cadavres. Thizzabald enlisted a courier from Baldur's Gate to obtain corpse rose petals and other ingredients and deliver them to a covert location. Unfortunately, a deep purple stain darkens the final page, obscuring the parcel's destination. C'est pas mon fort.
Let's go. Oh, allez, stress. Voilà. J'utilise du type X, mon gars. The black from the blue, revealing the stash's location. You mark your map as a reminder. With the corpse rose petals the package contains, you might create Visibald's purple worm poison. Et genre ça, ce poison-là, c'est genre il est ultra pété. Mais ce que j'aime bien avec ce passage-là, c'est que, enfin là, le perso qu'on vient de voir, on imagine que c'est juste un gros sac qui se beurre la gueule. Alors qu'en fait, c'est un, comment dire, c'est un alchimiste super doué. J'ai l'impression que je suis bugué. Est-ce que c'est tu bien. Peux me porter Mimir et me lancer ailleurs? Oui. Ah, on peut juste te pousser pour peut-être que... Ah, attends, vas-y. Non, bah, je vais te jeter, mais... Ah non, je veux pas de dégâts. Ah si. Bah, c'était métamorphose, ouais. Est-ce que ça m'a débloqué? Ça m'a débloqué. Merci. Bah, en fait, j'ai... Non mais en fait j'ai cliqué pour faire le déblocage tout en cinématique. En fait ça m'a ouvert le lancer dé pendant que toi t'étais en train de poser et que je te regardais et tout ça a tout fait fucked up. D'accord. Je pouvais plus bouger mon perso. Putain. Alors y'a quoi dedans? Alors y'a des champignons pour Arda. Let's have a look. Y'a des gants. Quand on fait dommage d'acide, ça met aussi un autre truc. Ça met Noxious Fumes. Toutes les créatures hostiles dans un rayon de 3 mètres prennent aussi un des 4 d'acide. Ouais. Bah, toi, t'as un anneau qui fait des dégâts d'acide. J'ai mon. Toi, t'as un anneau qui fait des dégâts d'acide. Oui, mais vos mécans ils sont mieux. Oui. Parce qu'ils font des dommages de feu en plus. Non mais enfin, quand... Ah oui, quand t'attaques avec ton arme, mais après quand enfin, tu fais un des 4 de dégâts aussi. L'autre il est sous condition. Bah en fait c'est plus. L'anneau c'est quand je fais une attaque avec mon arme, ça fait des dommages d'acide. Donc en gros ça ferait des dommages en AOE d'acide que quand j'attaque avec mon arme, mais j'attaque souvent avec mes mains en fait. C'est ça. Ah ouais, les trucs d'acide ça marche pas quand tu tapes au point? Avec l'anneau non. Ok. Tous les espèces de corrompus là. Tu veux les buter? Bah ouais. Des zombies des cérébrés, je veux des claques. Bon après ils font rien, moi je suis dans le petit pocket 1, il avait rien. Ah mais c'est pour l'XP. Ah oui. J'arrive. Vous tapez sur lequel en premier? Celui-là. Sur celui-là. Ah. Ah, du coup, ça m'a fait miss mon camp de trip. Mais non, tu l'as tapé à 23. Ah, mais du coup, c'est bizarre parce que ça a pas suivi le mob. Hein. Bon, mais tu l'as tapé quand même. Bah, tant mieux. Parce que moi, j'ai cru que je l'avais miss. Parce qu'ils sont surpris. Non. Dommage. C'est des morts vivants. Et alors? Un mort vivant surprise. Loin, je tape le barbe. Oh, le dernier, il est si loin. T'inquiète, il va se rapprocher. On a eu 10 au moins. De la chèvre, celui qui est à côté de toi, Katox. Je peux le terminer. Attends, il y a lui, est-ce que je peux en toucher un autre? Donc, je suis... Ah merde, t'as pas vu ça.
J'attends que tu fasses ton truc avant de faire le mien, parce que sinon je vais encore... Là il va mourir. Je peux pas le toucher, c'est pas grave. Vas-y, tu peux taper sur celui que... Je sais pas si tu peux taper sur celui qui est... Bah moi j'arrive pas à le voir, donc... Ah ouais? Ouais, il est hors de portée, c'est pour ça que je me ferai un coup en bah disant en fait, que je vais... Moi je pouvais l'avoir, mais là tu me... tu t'es mis pile à la place. Ou en moi fait, j'avais peut-être un... Non, pas toi, c'était Katox qui s'est mis pile poil là où je me suis bougé. C'est normal, il est revenu avec un PV. Je sais, mais quand même. Ah bah, je vais le lancer dans un tonneau. Vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. Allez, hop, ça dégage. Oh bah tiens, attends, je peux essayer de vous l'envoyer si jamais. Fais-toi plaisir. Non, je... Bon, c'est pas grave. J'ai pas l'impression qu'on ait gagné des XP. Là. Déception sur 20. Ah oh ouais. Après on a bien pex quand même hein. On se rapproche un peu du level 9. Ouais. Tant mieux, tant mieux. Le passage symbolique ce sera le niveau 10 quand même. Bon. On a bien exploré la carte, hein. Il reste un endroit globalement. Il y a une cage de matériel assimiliste du brasseur en remontant et puis la fameuse grotte. La fameuse grotte. Tu sais, là où on avait Raphaël oui. Qui était devant. Parce que la suite c'est au sud, c'est ça? Bah la suite c'est oui, c'est la tour de haute lune. Et c'est pour ça ce que je vous disais tout à l'heure. En gros, il faudrait mieux qu'on aille au sud avant d'aller au nord, c'est... Donc là on s'est tu rappelles, c'est la suite de l'histoire, le truc de Raphaël aussi. Ouais. Bah, y a un truc, la cachette du alchimiste, du maître brasseur, bah, machin. On a qu'à y aller rapidement, la cachette de l'alchimiste. I'm on the way. J'ai l'impression que comme on a tout buté, on peut vraiment se balader librement dans cette ville. C'est pas faux. Vous avez fait la petite cahute à côté ou... La petite cahute à côté. Ouais, il y avait un petit entre-deux, attends, je regarde. Ah non. Ah. Ça ne me dit rien. Ah. Est-ce que vous avez un... Ouais. Ah ouais, c'est à l'ouest. En plus, vous avez bien aimé. C'est des Ketianki. Oh. Ah ouais, mais tu vas te faire marave la gueule. Hein. Non, ça va. Faut juste pas que tu passes mon tour. Moi, c'est bon, je suis en bas avec toi. Attendez, j'arrive. Et merde. Il a 3 km de poids. Je voulais furtiver pour passer plus haut là. On a la panthère rose qui Et bonjour à tous. Je suis à côté de vous. Ils m'ont rapetissé. Ah oui. Oh voilà. Ah, il y a un TP là aussi, trop bien. Ah bah c'est pour aller au campement de l'absolu en fait. Ah c'est con, j'aurais pu les silences. Tcho les bolos, salut. Bon mais calme-toi enfin. Comment c'est quoi son nom à celle-là? En dehors de l'allemand, ah. Tellement c'est imprononçable. Ah bah merci beaucoup, c'est très gentil de ta part. Qu'est-ce qu'on peut lui faire? Des dégâts. Ah attends, je sais pas. Lâche ton arme. Merde. J'ai dit lâche mon arme. Attends, mais il veut pas hein. Oh j'ai pas. J'ai été successful mais ça l'a pas poussé en bas. Tu l'as ex là le.
Lequel? J'ai non, pas. J'ai pas relancé de Hex pour l'instant. Ok. Je viens de prendre son attaque d'opportunité hein, si vous voulez. À ouais. Ah bah oui, j'ai essayé de lui faire lâcher son arme, mais il a pas voulu. Non, mais vous êtes tous repartis, vous m'avez laissé tout seul quoi. Mais c'est toi qui as foncé dans le tas comme un teuteux. Là, il y a deux mecs à distance et une. Enfin. Un Warlock, il y en a deux au cac en bas, donc je pense qu'il vaut mieux que je les occupe ceux à l'épée. Oh! Oh! Ouais, peut-être que non en fait. Oh! En fait, c'est chiant parce qu'à chaque fois, il dit par terre et dès que c'est par terre, tu perds plus à rien quoi. Ça jump et tout, hein! Ah, c'est flèche de dégâts, enfin de cible multiple. Bon. On va faire la bonne vieille tactique. Ça va être à mon tour si on n'est pas mort. Je te laisse le vétéran. Ouais, c'est ce que je pensais. Allez, ciao. Je pense que je vais me TP sur... Putain, je peux pas me... Ah ouais, j'ai quelque chose à dire avant. C'est tellement loin. Bah, attends, est-ce que je peux pas... Il s'est relevé. Non, c'est bon. Pas relevé. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'approche ou est-ce que je reste dans ma zone là? Parce qu'il va essayer de venir en contact, lui, son petit connard. Je vais avancer, je vais me mettre près de Katox. Ah putain, c'était une axe. Merde, quel con. Ah, j'ai fait le débile. Après, normalement, il devrait pas me finir, mais il devrait te taper toi, je pense. Ouais, alors là, je pense que je vais quand même. J'espère que ça va marcher. Oh, let's go. On commence par te soigner. Oui. Pendant ce temps-là, moi, je vais prendre un peu de thé. Pensez à vous hydrater aussi, vous qui regardez cette vidéo. Hydratez-vous. Là, t'as le mec au cac qui est juste à côté de toi, Hard. Comment ça? Bah j'ai... En fait lui je l'ai balancé par terre pour pouvoir pas me taper l'attaque d'opportunité mais... L'épée à deux mètres juste à côté, après t'as shield de toi de toute façon. Ah bah je crois qu'il s'en fout de ta gueule. Je peux pas réagir à ça moi, sur un saut il saute s'il veut. Non bah c'est très bien qu'il vienne sur moi, hein. Moi perso ça me dérange pas. Enfin pour le moment. Je pense que je vais vite fermer ma gueule. Il s'est même pas... Ah, j'allais dire, il s'est même pas pris une attaque d'opportunité, c'est fou. Mais le bouquet de dégâts, quoi. Le petit 18, là. Ça fait plaisir. Il faut bien que je serve à quelque chose quand même quand je suis vivant. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai réduit tout kiki. Ah ouais. Encore plus que d'habitude. Ah ouais, moi aussi quoi, putain. Ah ouais, là t'es... Je suis un nanonin. Nanonin. Un nanonin. Oui, c'est... Je suis. Bon, qui est-ce que je vais tabasser? Je réfléchis à qui est-ce que je vais taper. Ça me pique des avantages. Oh la... Shred Sakan là. 140 PV. À la louche. Done. Avatar de Vlakis.
De charge occulte. Non, non, ça vaut pas la peine. Voilà, regarde, zéro. Oui, mais c'est parce que je t'ai mis une égide. Hein? Attends, je vais. Eh, hey, ils sont coraces, ces petits cocos qui sont là quand même. T'as qu'à taper celui qui a le moins de vie si. Comment ça, zéro? Putain, parce qu'ils ont l'extra parade. C'est quoi? Ça absorbe 20 points de dégâts. Bon, au moins ils l'ont plus. Ouais, t'as moins de coups. Bah là, tu peux les taper au cac, les deux. Ils ont plus de protection. Et le second, c'est pareil. J'hésite à pousser le maraudeur vétéran depuis. J'ai pas beaucoup de force, je sais pas si ça va passer. Lequel, celui-là? Ouais. Moi, je pensais aller sur lui justement pour le balancer. Ah, quoi que. Alors, non, t'approches pas trop! T'inquiète, t'inquiète. Donc, moi, tu faut pas que je m'approche trop, c'est ça? Ouais, parce que je voulais faire un sort de zone pour essayer de. Ah, mais vas-y, oh, t'inquiète pas, tu pourras pas me toucher. Alors, glyphe de garde. C'est-à-dire que si t'arrives à me toucher, franchement, ça me. Je pourrais peut-être leur mettre un petit peu de sommeil. Après, ça dépend ce que c'est comme save, mais tant que c'est la de la glyphe, je pense. C'est de la constite. Ah non, c'est de l'ex. C'est. Oui, alors l'autre, il avait quoi, 14 ou 12 de wisdom. J'ai mis deux commandes dans la gueule. Sinon, je leur fais un petit tonnerre, un petit 5,40 là. Ouais, c'est bien. Hein. Ils ont des résistances à quoi? Attends, j'ai pas regardé. C'est à 17. Ils ont pas mal de dex et de sagesse. Et alors l'autre là-bas, elle a quoi? Examiner. Ouais, elle a surtout du charisme. Non, on va essayer de faire un truc plus simple. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a encore pas mal de PV là-dedans. Après, c'est comme ça, ouais, toi du vétéran comme tu voulais faire au début, et on va aller leur tapoter la gueule aux deux autres. Ah bah, au pire, fais-toi le gars qui a l'arbalète, hein. Ouais, mais je sais pas ce que je vais lui lancer dessus pour maximiser le. Ah, si je te mets au cac avec lui pour lui mettre un Thunder Wave, tu vas le faire tomber. J'ai pas Thunder Wave. Ah ouais, même en parchon? Si, mais de toute façon, j'ai déplacé, j'ai gaspillé tout mon mouvement, là je peux plus bouger. Moi, je vais lui faire juste un petit trait de feu pour commencer. Oh, c'est ça. Ah, 75% et j'ai raté, putain. Tout ça pour ça. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein. Ouais, bien sûr. Ma seule. Je combat de Miss. Non, il m'a foutu à terre, l'enflure. C'est plus compliqué pour toucher une fois qu'il est à terre, c'est bon. T'as une blessure béante, Katox. Ouais, je sais, ça m'arrive de temps en temps. Je vais tester un truc, j'espère que j'ai la portée. Ah, yes, je tue les deux. Enfin, je tue les deux. Ah non, on dit que la cible est bloquée. Oh, fais chier. Je vais en choper un, pas deux. Mieux que rien. Ouais, bon, c'était le fameux truc à 6 des 6 de radiant, mais au moins je peux prendre le shra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 shr
Ah, moi j'ai fini ma potion de hâte, donc bah, je suis en train de repiche. C'est toi ça, salaud. J'ai pas fait grand chose. Ah si, je lui ai fini tous ses PV bonus. Pour lui profiter du fait qu'elle était aveuglée. Vas-y, barre-toi. Ah! Putain, mais qu'il est relou! Oh, je vais être par terre quand elle va me taper l'autre là. C'est un autre really nice là. Après, ils se claquent regard entre eux quoi. Oh! Oh! C'est que des temporaires et des points, c'est pas tout. Je vais. Oh, j'ai même plus de quoi la ex, fait chier là. De choc. C'était beau ça. Ouais, j'essaie de le bouger un peu là. T'as pas trop fort. Je sais pas ce que tu fous. J'ai compris ce que tu voulais foutre. Tout ça pour ça. C'est barré là-bas. Je l'ai pas, que ce que vous avez de la haut ou pas? Oui, j'ai un sort de niveau 4 qui me reste. J'ai aussi un sort de niveau 3, donc je pourrais toujours balancer un petit truc. Oh, mais ça vaut pas le coup, ils ont quasiment plus de PV. Non, mais je voulais pas me barrer. Pourquoi? Enfin, elle va nous envoyer balser, c'est sûr là. Un pass fight, tu peux faire un short rest, moi je dis pas non. Ah, ça va. Même un long rest parce que j'ai plus de sort. Ah! Pratiquement, il me reste un sort de niveau 1, un sort de niveau 3 et un sort de niveau 4. Ouais, il me reste 2 level 1 et 1 level 2. Bon. Non, mais arrêtez, putain. Je pourrais le contrer, mais en utilisant un slot de niveau 3. Bon, bah. Tout ça pour aller là-bas. Ah mais je crois qu'il veut ton cul, hein. Je sais pas s'il est... Ça, c'est que ça qui est bien avec Shield, c'est que ça dure tout le tour. Oh, je tue le... 80% normalement, je vais le défoncer. Là. Voilà. Tic. Mais l'autre, il lui reste 6 PV, quoi. Oh. Ah. Juste pour casser les murs. C'est pas juste! Je suis pas sûr que j'ai ouais, ouais. Non, c'était sûr de toute façon que. Tu veux dire coréen ça? Je pensais que ça allait être de la gnognon, tu vois rien du tout, hein. Ils auraient été plus compliqués que les trucs qu'on avait avant. Mais grave! Mais après, ils avaient le... ils étaient bien placés. C'était bien placé. Ah, mais. Oh, y'a un point de TP juste en bas! Que j'ai dit, tu sais. Étonné.
j'avais pas son bon avis, pas écouté. Non. C'est pour ça qu'il a foncé dans l'embuscade, je crois. Exact, c'est exactement pour ça. T'as tout compris. Point de passage découvert, hop, je reviens avant de me faire réembuscader la tronche. Bon, c'est bon, censé moi, prendre. Je suis à poil de. J'ai deux le sort de level 1. Mais. Tu veux ça, Arda ou pas? Tu sais quoi? Bracelet de mèche-machin là? Ouais. Vous pouvez lancer main du mage dans le cadre d'une action bonus. Jet de sauvegarde en force plus 1, télékinésie sans votre situation niveau 5. Oh. Ouais, mais non, le 2 de CA d'armure il est mieux. Ça, Arda il a bien aimé. Ah, des petits ingrédients, ouais, merci. Et un collier, un cœur de feu. Allez, chaque fois qu'une autre créature vous inflige des dégâts de feu, vous gagnez 2 tours de chaleur. Ouais. T'as plein de poids là pour faire plein de trucs. Mais du coup, ouais, on doit se diriger vers où? Faire la tour de Haute Lune ou d'abord faire la libération de la relique de Ketterik Thorm? Bah, je conseillerais de visiter quand même la tour de Haute Lune. Le barman avait l'air de dire que ça l'ennuyait parce qu'il l'avait enfermé, blablabla, donc du coup, voilà. Bah, en soi, là, si on peut faire des trucs au sud avant d'aller au nord, mais si on va on peut aller au nord, mais c'est juste que ça va nous bloquer 2-3 trucs qu'on pouvait faire dans la zone du sud. Bah, allons au sud alors. Allons au sud alors. Weird mec, regarde ce que je viens d'envoyer dans ton inventaire. Oh, une potion de géante. Oh oui, ça y est, la première. Oh, ça commence à sentir bon. Là, le début de la rigolade commence. Bon, je vais la conserver quand même précieusement. Bon, tour de Haute Lune. Ouais. Ah, oh, c'est bien, on a tout découvert là. Ça fait plaisir. Ça fait pas mal. Par moi, j'aime quand tout est découvert. Titre. Oui, oui. Je l'avais pas vu comme ça, mais effectivement, on avait dit un reste, non ? On n'a pas fait le bas du chemin de péage, enfin du truc de péage. Oh. On avait récupéré une clé. Un truc à faire en bas. Ah ouais, y a un sous-sol. Bien, allons-y. Direction. Ah ouais. Machin. Y avait pas une histoire de t'as vraiment plus de sort du tout, Arda, ou Il me reste un niveau 3, un niveau 4 et Ah bah faisons au moins un short rest alors. Et on fera un long rest entre maintenant et l'épisode suivant, non? Ouais. C'est qui a fait un jet là? C'est toi. Je ne sais pas qui a fait un jet. C'est moi. Là. Un coffre. Oui, je le cherche. Ah, je crois que j'ai trouvé. Oui. Ah, encore des compos d'alchimie. Alors là, tome de disciples de char. Oups. Il y a une bonne femme qui est là, qui s'appelle Chris Lazelot. Toxine de crocs de serpent. On va d'abord faire le tour du poste de pH, on va encore se perdre. Faire. Attends, il y a par là, là, on n'y est pas allé. Ah, c'est de là que je viens. J'ai fait une course auto, en gros, pour aller jusqu'au rez-de-chaussée. Non, comment on fait pour retourner sur son perso? Mince, à côté de l'insert, là, touché à côté de l'insert. Qu'est-ce que t'as fait? Moi je pose une petite flèche. Début. Ah, mais c'est début, non là. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai cliqué à un endroit, si mon perso il y était allé, ça aurait été la fin des haricots. Hein. Ah, clairement là, ça aurait été la fin du monde. Hein. Vite, c'était en mode en plein milieu du camp ennemi. Ah, ouais, non, là effectivement. C'était pas chouka. Non, ça me fait penser, voilà. Merci.
Perception failed. Et quoi, hein? Je viens de le faire un jet de perception fail. That might be worth a look. Heureusement, Katox est très perceptif. La perception, ça me connaît. Ouh, calice, pièce spirituelle, anneau, coffre orné de dorures. Et un livre. Moi j'ai récupéré les tableaux, ça se vend. C'est pas très intéressant. On peut descendre. Ouais. Faut-il descendre? Là, je suis descendu. Il y a un squelette qui a une bougie. Des cases. Hostie de Carlis. Ok, y'a d'autres trucs à voir dans le secteur? Non, c'était juste là le. Un peu plus de thunes à se faire. Bon bah, it's something. Alors après, y'a le bouquin que j'ai envoyé à Arda aussi, t'as du lore dedans. J'ai vu ça, ouais. Tu sais qu'on a le levier de tous côtés, hein. Vous êtes pas censé savoir ça. Si, c'est tout. Le truc, c'est que vu que j'ai le mode qui débloque la caméra, je peux tourner dans tous les sens et les objets sont bien plus faciles à voir comme ça. Bon, en plus, si tu triches. Non, c'est pas je triche. Franchement, c'est bien plus intéressant comme ça parce qu'en plus, tu peux plus voir les extérieurs, tu vois. Genre la scène avec le temple. C'est super cool, enfin, tu tapes des panoramas que tu peux pas voir en temps normal avec la caméra, c'est vachement plus cool. Bah moi ma caméra elle est pas bloquée sur mon personnage. Est-ce qu'on passe par le... Y'a Renan la zélote. Est-ce qu'on passe par le pont ou est-ce qu'on passe par les zélotes? Mais après j'ai pas l'impression qu'il soit forcément méchant, hein. C'est à votre compte. Il a l'air de nous attaquer en tout cas. Halt! Your own, hunting for recognition. Your parasite offers it readily. True soul, a pleasure. What news from the field? Impressive. I'm sure Zarel will want to hear all about it. She's in the audience chamber, True Soul. Go right ahead. Praise the Absolute. Bon, après on la bute. Ah ouais, c'est une fervente de l'absolu. Attends, elle veut refaire un dialogue, moi. Hein? Ah ouais? True Soul. Ah bah tu fais le même up, c'est vrai. Elle est de deux, elle. Vas-y, refais, ça peut gagner de... Par contre, elle s'est barrée, hein. D'accord, elle veut parler. Elle revient. C'est pas la même. Non, c'est pas elle. Hein? Alors moi, je peux lui mettre un petit... Comment ça? Ah, pardon. Ah, pour une fois que c'est pas moi. Après on a des potions de sommeil, on peut les endormir pour les pour looter, hein. Après on peut le défoncer aussi. Elle a une aura de protection. Ça fait quoi? Ça lui fait précise, plus 4 au... Projet de sauvegarde, elle aussi un bouclier lunaire. Cette entité est protégée par la lumière d'une lanterne lunaire.
Bah, le patron il n'est pas protégé par rapport au. Manifestement, ouais. Elle n'est pas protégée face à ça. Ah, il y en a deux autres qui. Ah non, elle est morte. Ça c'est fait. Ah, en même temps, ils ont dû voir qu'on était en train de massacrer sa pote, donc peut-être qu'ils se sont dit. Personne n'a rien vu. J'sais on pas. N'est pas en combat en plus, c'est du génie. Oh, ah, vas-y, on va voir les deux autres. Et au fait, vous avez des nouvelles de votre collègue? Il a disparu, vite. Elle est tombée dans l'eau. Out of sight, out of mind. Elle avait des trucs intéressants à looter? Non. Du truc à voir. Oh, là, il y a un magot là. Il y a un adepte de Bell. Adepte Bell. Marge l'acolyte, 27 PV. Ça veut vider toutes les caisses déjà? Ah, attends, on a un gigot là. Ah, on peut faire le tour par ici. Je vais lui parler! Enjoy the view. This feels like a stretch. Toi, y'a Arda qui va dans l'autre sens. Oh bah, il est... Ah, y'en a un autre qui est derrière. Y'a Arden le Zélote. Donc ils sont trois. Y'a Adepte Bell, Arden le Zélote et Marls l'acolyte. Mais l'Adepte Bell il passe dangereusement proche de l'eau, donc avec un peu de bol, si on veut, on peut se balancer dans la flotte quoi. Ouais, mais on perd le loot si on fait ça. Oui, on perd le loot, effectivement. Il se passe quoi? Il y a Atemir qui est en train de discuter avec le. Globalement, dans les caisses, il y a des centaines de verres. Ah, ceux qui veulent bouffer des têtes. Worms! Bah, je l'ai voulu! Mais non! Le loot! Je l'ai voulu! Mais il s'est jeté dans l'eau! Il s'est jeté dans l'eau! C'est ça l'eau, bon bah. Il était en mode, oh, il y a des vers! Ouais, il est lavé, il a sauté! Bah oui, bah tu l'as tué et on a perdu le mec! Bravo! Oh bah, c'était pas fait pour, mais c'était rigolo! On les verra alors! Attends, il y a un de l'autre là-bas! Attends, ouais, je m'en approche du vache! Je vais me mettre quand même près du bord! Bah écoute, c'est quand tu veux, hein. Ok, bon, ça veut dire ça. Top, ça. Ah, vous vous battez déjà, là? Mais ouais, nous, y'a pas le temps de niaiser. Ok. Voilà. Ah oui, non, j'ai pas encore ça. Bon, bah c'est ça, c'est facile, ça, hein. Attends, tiens, je vais te donner l'avantage. Ah. Qu'est-ce qui me donne ça? C'est relevé. Oh, il a balancé encore au bazar. Ouais, bah, vu le peu de vie qui lui reste. Ah, mais par contre, ça bloque la réaction, j'aime. Ça bloque la vue en fait. Ouais, mais il était au cac avec moi, donc normalement j'aurais quand même dû mettre pas quand tu mettais. Non, mais lui, il était pas. Non, quand t'es plein, t'es à désavantage, mais c'est pas indiqué que ça te retient le. Tu peux pas attaquer. Ah, il faut que tu sortes de la zone là, t'es aveuglé. Bah, t'as fait l'action ou pas? Bah, mais parce que t'étais par terre. Non? Ah, oui. Peut-être, et je peux rien lui balancer à la tronche. Très doux. Bah, je crois
qu'il essaie de me taper, mais il a du mal. Hein. Ah, il a du saucisson. Il a du saucisson. Non ! Putain, j'ai 75% de chance, quoi. Ouais, mais j'ai critique quand même. Bon, j'ai parlé des milliers de larves dans les caisses, je sais pas lesquelles. Hein. Regarde, là, un tonneau au milieu. Celui-là. T'as plein de tas de poils. Concentre-nous sur le combat. Pff, c'est surfait. Ah, juste, il a pouvait passer son tour. Moi, oh, je suis vraiment un pixel de merde de pas pouvoir taper. Ça peut bien. Non, je m'en fous. Ah, ça par contre, je m'en fous, moi. Si t'avais poussé dans l'eau, mais. Ah, mais je pense que j'aurais cringé. J'aurais ri, mais il fait force. Et les autres, tu vois, le gars, il doit avoir. Il a quoi oui, il a 13. Il a 13 de force, donc ça veut dire qu'il a un plus 1. Je sais pas combien de force, j'ai plus 5, je crois. Il arrive quand même à me pousser. Ah non, j'ai plus 7. Ah non, il l'avait déjà enlevé vu qu'il a balancé avec le Rafata. Allez, vas-y, ouais, finis-le. Je peux. Attends, vu qu'il faut le toucher. Il avait rien d'intéressant. Ouais, mais ça fait quand même de l'XP. Est-ce qu'il y a des trucs sympas à voler par ici? Il y a des caisses, mais elles ont l'air toutes vides. Non, non, je récupérais deux trucs pour le moment. Bah, y'a pas grand chose de plus. Est-ce que je passe du côté de Chakatol? Est-ce que j'établis un contact? J'établis un contact, oui, allez. Tu te souviens d'avant, tu aurais dû. Too late. Oh. Natural 20. Allez. A pattern of blank minds newly born. They carry only a bare shred of memory inherited from something older. A sleep of centuries. The birth and destruction of a settlement above forming only background noise to the dream. Until something descended down into the darkness. And the dreamer awoke. Ça se détruit, ça. Ça se détruit, ça. Boule de feu. J'arrive. Un coup de bâton. Parasite, brimming with magic. Take it. On a pas pu. Il a disparu. Tu peux foutre de l'eau sur la Brain ou pas? Ouais, ça, je vais essayer. L'adepte Bell que je suis censé voir mort, il est là, il est en train de faire semblant de se battre. Moi. Je le vois ça vivant. Ça a nettoyé, on est d'accord. Hein? Ça a nettoyé le truc. Ouais. Et pourquoi tu veux nettoyer? Pour pouvoir marcher. Bah, j'ai pas avec la poule. Ah, ils sont tous morts. Ouais, ils sont tous morts. Il y en a un qui a réussi à s'enfuir, j'ai pas réussi à cliquer dessus à temps, donc il se barre. Ouais, si, j'ai récupéré un spécimen. Ah, bien joué. Hein bien joué. T'as cliqué en retard, comment tu... Si je prends une potion de diminution, tu penses que je peux rentrer par le trou là, dans le mur? Je ne sais pas, mais nous sommes déjà à une heure d'épisode, donc je pense qu'avant de faire ça, on va peut-être s'arrêter là. Et... Moi, je vais juste faire ça, et puis... Ça répondra à la question. Et si c'est oui, ce sera la fin de l'épisode. Tu m'as l'air encombré, Ménéa. Putain, tu m'as envoyé... Toujours ravi de faire affaire avec toi. Surtout que ces armures-là, elles pèsent super lourd, et je sais même pas si vraiment elles rapportent beaucoup de thunes. C'est même pas ça en fait.
Bon, tant pis, c'est pas bon ça. Tant pis. Ah, il faut une potion de gaz ou. Ouais, j'ai pas ça. Ah, attends, c'est où moi j'ai une potion de gaz? C'est là? Et c'est... on verra ça au prochain épisode. Bon, ça sera justifié. Bah, juste comme ça, on n'oublie pas, c'était où? Oui. Là. T'as un trou ici. Y'a un trou. Un trou. Un trou. Elle est quelque part dans mes sacs. Je vous jure, je l'ai rangé. Ah mais tu... Bon bah je... Paf. Ah je clique dessus mais je te vois pas. Bah il s'est juste TP au-dessus en fait. Voilà. Ah ouais. Bah du coup il est tout seul. Parce qu'il y a les tours, bah il peut revenir il peut revenir nous voir hein, quand, tant qu'il a encore, il a encore cette tour. Ouais. Oh, il a pas l'air de vouloir revenir. Bon bah ciao. Ah ouais, mais je voulais regarder s'il y avait des trucs, mais Ah, on pourra y accéder de toute façon après. Ouais, ça, à mon avis. Bah, on va faire la fin de l'épisode devant la grande porte. Allez, on va voir la grande porte. Comme ça, on s'arrête juste avant Haute Lune. Mais d'abord, est-ce qu'on pourra faire un long repos? Peut-être, c'était sage. Ou alors, on passe par du principe qu'il n'y aura pas de fight et on garde nos bonus. Alors. Oui, dans un monde comment pareil. Dire, c'est la demeure de l'absolute. Ouais, je pense qu'il y a quand même peu de chance que. Ça marche. Bon, allez, on s'arrête là. J'espère que l'épisode vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Salut. Ciao. Ciao.